Bonjour, merci à tous et bienvenue sur ce second webinaire. Donc, je suis Grégoire Rota-Graziosi, le directeur du CERDI, Université de Clermont-Auvergne et CNRS. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de l'IDGM+, l'Initiative pour le développement et la gouvernance mondiale, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et qui réunit au sein de l'IDGM+, l'IDRI, la FERDI et le CERDI. Donc, l'IDGM+ vise à concevoir de nouvelles politiques de développement international à partir des résultats de la recherche. L'objet de ce second webinaire, d'une série de trois, le premier avait lieu le 26 mai, le prochain aura lieu le 16 juin, porte sur la question suivante: quelle politique budgétaire conforme à l'agenda 2030 et aux objectifs de développement durable? Donc, avec la crise sanitaire, bien sûr, actuelle, et la récession économique qui va suivre, enfin, qui risque de se déduire de cette crise, la plupart des pays se voient dans une très grande vulnérabilité, aussi bien pour les pays développés que les pays en développement face à des chocs exogènes. Les objectifs du développement durable participent explicitement à la réduction de cette vulnérabilité, aussi bien pour les pays développés que les pays en développement, même si au départ, c'est d'abord pour les pays en développement. Le financement nécessaire, selon le FMI, selon une estimation du FMI pour les pays les plus pauvres d'atteindre cet agenda 2030, était de 500 milliards de dollars à l'horizon 2030. Cette somme, qui paraissait autrefois assez importante aujourd'hui, peut être mise en perspective avec les engagements au niveau de l'Union européenne, de Washington, des États-Unis ou autres. 2200 milliards de dollars ont été alloués pour la crise du Covid, pour résoudre la crise du Covid-19 par le gouvernement fédéral américain. On parle de 750 milliards au niveau de l'Union européenne. Bref, le financement des objectifs du développement durable et le financement domestique, donc intérieur de ces ODD, paraît être une question particulièrement d'actualité. Alors, pour y répondre, nous avons réussi et nous avons la chance d'avoir des experts d'un panel de très, très haut niveau. Donc, par ordre d'intervention, nous aurons M. Mahmoud Moeyeldin, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies en charge du financement de l'agenda 2030. Puis, nous aurons M. Félix Fernandez-Shaw, qui est le directeur de la coopération internationale et de la politique du développement du département DEFCO de l'Union européenne. Puis, nous aurons Michael Keane, qui est le directeur adjoint du département des finances publiques du Fonds monétaire international. Ensuite, Madame Susana Ruiz-Rodriguez, qui est la directrice et coordinatrice pour les questions de justice fiscale pour Oxfam. Et enfin, pour conclure, nous aurons Monsieur Philippe Lacoste, directeur du département du développement durable du ministère des Affaires étrangères de la République française. Donc, sans préambule, chaque participant présentateur va parler 10 minutes et nous reprendrons des questions qui viennent de l'audience. Je vous laisse la parole, Monsieur Mahmoud Moeyeldin. C'est à vous, je vous en prie. The best way to introduce the SDGs, perhaps I may take a good slide from the time, but I'm not going to share it, just imagine it with me, from Christine Lagarde, when she presented to an audience in London back in 2018, four buckets. The four buckets are environment, social, and government. And governance. This is basically the ESG. ESG that is basically being followed as well, not at the global level or national level, but with the private sector. The fourth bucket is about inclusive growth. So the 17 goals, the 169 targets, and the 230 indicators, if you are short in time to our policymaker, they are just about those four buckets: inclusive growth, social and human development, environment and climate change, and governance. All of that needs spending, needs decent investments. And before I get into that, I just like to say, what's then different from that kind of presentation that I could always do in 2015 or until
January 2020, and what's happening today. What's happening today is what we're facing. The COVID-19, its implications on health, its implications on our life, and its implications on the way that we go about trying to work or not to work, which is more the likely scenario now, with all of these figures that we have, we have a growth rate that was projected in April to be around minus 3% by the IMF. I think they are revising their figures, and it's going to be much less than that, or let me say less than that, to be conservative. The equivalent of more than 305 million jobs in the formal sector alone have been lost, as estimated by the ILO. We have a drop in trade between 13% to 32%, as estimated by WTO. Very wide range, but that needs to be explained. Remittances to drop by at least 20% per the World Bank. Private flows decline by 80% to emerging markets, and foreign direct investments are to decline by more than 40% this year. And all of these just the figures of April and end of May, end of March, and some of them are recent, including the remittances figure. So this is the kind of environment that the budget is trying to work on now. And in all of this, debt and debt management is not a sideshow. It was not a sideshow even before the crisis. When I'm checking many of the budgets, including from my home region, from Africa, Middle East, and North Africa, you can see debt service is either number one item on the budget or number two. And with the kind of difficulties countries are facing today, this figure is going to be even bigger. So yes, there is a standstill offer based on the G20 and the good work of the IFIs. But standstill, as you know, is not a substitute for debt relief. And both are not a substitute for debt restructuring. And based on episodes of debt restructuring, that is an issue that is going to be living with us beyond 2030. I was attending a meeting yesterday by the new chief economist of the World Bank and authority on debt, Carmen Reinhart, with ASLA, the chief economist for ECA region, which is the Eastern European part of Europe. And the talk here is basically about debt. And history of debt is telling us that it's going to be taking a while to fix. And typically it takes more than a decade to go from the negotiation of debt restructuring to start doing the service. And then the issues about haircuts and all of that will be introduced. But until that moment happens, we have all of these kind of pressures coming from debt that is complicating the lives of the policymakers. So this, I would really say, the first challenge, how to conduct your budget under this kind of severe restriction. The second one is basically about the political economy dynamics surrounding the COVID-19 response and recovery. Many countries were asked to put a stimulus. This stimulus is ranging from 10% plus of GDPs of some of the OECD countries to as low as lower than 1% of GDP in many of the developing economies. And I always check the good policy tracker by the IMF and try to see the kind of discrepancy between countries when they do that. So the fiscal space is not there. And then the stimulus is not really the same, and its impact is not the same. The third challenge is the role of central banks as a fiscal agency. This is a very interesting issue. And here you see that central banks, in coordination or not with so much coordination around the world, are doing lots of things that at the end of the day will have fiscal implications. At the end of the day, central banks are owned by governments, with few exceptions, like in the US. The implications here that the surplus or the deficit
And the balance sheet implication of the central bank will need to be accommodated by the fiscal authorities one way or another. Yes, you may appreciate some sort of flexibility and discretion in the response to the crisis, but we had seen that many of the crises response had really been throwing the seeds of a new crisis, as we saw partially by the response of the global financial crisis of 2008. This is another challenge that we need really to put into consideration. The other thing here is basically about the design, and this could be an issue that we need really to revise. When DRM within the Finance for Development and the Addis Agenda was introduced in 2015, it was basically about domestic resource mobilization. Yes, there was some assumptions about discipline, transparency, governance, but less attention was paid to quality of spending, effectiveness of spending. The design of budget as a policy signaling mechanism, as a communication, not just to the private sector, but to the general public. And based on that, it is very rare after 5 years or more of introducing the Finance for Development to see around the world countries that can really claim that they have an SDG-based budget. I was in a meeting a few weeks ago with Michael and his colleagues at the IMF, Vitor, Gaspar, and others. And we're talking, well, what could be the best example? I'm from a developing economy. I work as a special envoy for the UN. If I have a good example of a country that is adhering to the rules of budgeting for the SDGs, OECD country, emerging market country, what could be the best example? And actually, they spent some time thinking and they said, well, Spain has a good way of doing it. So you may look to the example coming from Spain. I think with Felix a couple of weeks ago, we were discussing this. But yes, Spain is doing a good job, but it's one country out of how many OECD countries? And then to what extent that is known. Actually, before this discussion with Michael and his colleagues, I didn't really know this. And it was not that was not reflected in the VNR, the voluntary national reviews. Actually, this year, in a couple of weeks, there will be more VNRs. I think the number of VNRs is exceeding 150 already. So, but how many of these VNRs are, which is basically telling you about how we are dealing with the SDGs, are taking issues related to budget very seriously? To what extent these claims for the future are taken into consideration when the budget design is done? Yes, of course, any kind of a budget could be translated into SDGs language, but is it designed primarily to serve the SDGs? And this gets me into the issue of institutions and policies that I already mentioned, but the matters related to transparency, national and institutional arrangements for budget design, and the local level. During this crisis, the third pillar that was mentioned by Raghu Rajan in different ways is really very much with us. It is not the public alone, it's not the private alone, it's the local pillar, which is the missing pillar, as Raghu had mentioned. So the issue of budgeting, not just at the national level, but indeed at the local level, needs to be considered. Of course, countries with federalized systems, again, like Spain, would really have that kind of process in mind. But for the centralized system, we need to put that into consideration. Let me end by the following. While we are managing the crisis, the response and the recovery, and the Secretary General of the UN had shared thoughts in a report about the socioeconomic response and how can we mobilize resources at the four levels of engagement, global, regional, national, and local, four levels. And how can we deal with a matrix of public, private, and civil society when we are doing that? It's a nice exercise, but it's all about implementing it. And there are some funds for that, including the good support from the European Union on that. But what I like to talk about finally here is basically coming from the meetings, the very successful summit that we have of a mini summit or high level political event at the UN,
that had 50 heads of state, the heads of the fund, the bank, IIF, OECD were there. We're tackling six areas of work. All of them are to do with what you are discussing today. The first three are basically about debt in different ways. Global liquidity, financial stability, that was the first theme, led by Kristalina Georgieva. The second one about debt vulnerability, led by the discussant from the African Union, especially Envoy Tijan. A third one, the role of the private sector creditors in dealing with the challenges, and that was led by Tim Adams of the IIF. And then you have a fourth one, the role of external finance for inclusive growth. And that particular theme had, again, very good assumption about budget discipline and that you exhausted the budget limits and then you are leaning on the external finance to complement and support your work for inclusive growth. The fifth, I know it's a very dear topic to many of you, including our friend from Oxfam, is basically about how to deal with the illicit financial flows. You don't need a leakage in the system while you are mobilizing external and domestic resources. And the sixth one, or the last one, is basically about how to finance sustainability and to recover better, and how to put all of the issues related to response and recovery in a kind of linking the short term to the midterm and long term. Happy to discuss that all, but we require really a great deal of new work on how to design budgets in a post-COVID-19 world. Whatever we did in the 2013 and 14 was useful. But again, I think in this new world that has new challenges, the new political economy dynamics, many opportunities as well, including taking health of the people and health of the planet more seriously, I think that requires a new approach from new political economy. And just to send a signal to my good friend Felix, as that all needs to be put in an integrated national framework. I would say that the national that integrated framework needs to be done nationally, but all at all other levels as well. It needs to be done at the local level. It needs to be done at the regional level. And I'm very impressed with the kind of work that the European Union is doing today. And finally, at the global level as well, this kind of integrated approach at linking finance, linking the real economy together to achieve the SDGs and to deal with the challenges and opportunities for the investments required for the climate change and how to recover better in a sustainable manner. Thank you so much. Merci beaucoup, Mahmoud. Donc, oui, j'étais un peu rapide. On a cinq speakers. Chacun va parler environ 10 minutes. Vous pouvez poser des questions. Vous avez aussi la capacité sur Zoom d'avoir la traduction soit en français, soit en anglais via une icône interprétation. Bien, je vais donc donner la parole maintenant à Monsieur Félix Fernandez-Shaw, qui est le directeur de la coopération internationale et de la politique de développement de l'Union européenne et qui est un ancien ambassadeur diplomate espagnol. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. J'imagine que on peut peut-être mettre maintenant la présentation sur l'écran, comme ça tout le monde m'a déjà vu, tout le monde a vu mon pin de l'Union européenne et les SDGs. C'est un pin magnifique, je peux vous le donner gratuitement si quand on sort tous du confinement, vous passez par Bruxelles, je vous l'offre. Oui, voilà, je vois que Mahmoud s'intéresse. Donc, en tout cas, tant que vous mettez la présentation, je vais essayer de développer très très rapidement. Je remercie beaucoup l'IDGM pour nous avoir invités à une discussion qui est tout à fait pertinente, car comme vient de dire notre collègue et bon ami Mahmoud, et je vois aussi Philippe Lacoste en ligne. Bonjour Philippe. On est dans une situation qui est un peu différente à toutes les situations qu'on vient de avoir eues dans notre passé récent,
tout le monde parle de la crise, mais je crois qu'on est dans une situation qui est très différente à ce qu'on a expérimenté par le passé. Je vois que la présentation n'est pas toujours là, mais si vous voulez, je continue sans présentation. Il n'y a pas de souci. J'essaye. Je vais voir si... Bon, en tout cas, je commence avec la première fiche de la présentation, ce qui était déjà dit par Mahmoud, ce qui me permet d'aller à la deuxième, parce que la première dit, attention, la récession, elle n'est pas seulement phénoménale. Voilà, donc première... ça commence bien. Voilà. Voilà. Deuxième fiche, s'il vous plaît. Deuxième, la suivante. Vous les passez. Voilà. Donc, vous voyez là, tout est en chute. Mahmoud vient de le dire. Je vous montre le slide seulement aussi pour faire plaisir aux collègues de l'équipe qui ont travaillé. Mais vous voyez, tout est en chute. Que ce soit le tourisme, que ce soit les transferts d'argent, que ce soit l'économie, la consommation, l'investissement direct, etc., etc. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, le grand problème, c'est comment est-ce qu'on va se récupérer. Et là, il faut mettre l'accent sur plusieurs éléments. Mais tout à fait, comme vous le voyez là, je voulais citer le rapport de développement humain du PNUD 2019 qui nous a raconté sur une nouvelle génération d'inégalités. Donc, on connaissait très bien les inégalités du 20e siècle, la santé, l'éducation, la protection sociale, les niveaux de vie. Et maintenant, on rentre dans un niveau ou dans des inégalités qui sont nouvelles. Qui sont des inégalités suite à notre 21e siècle et à la mondialisation. Et vous le voyez là, c'est la digitalisation et c'est les changements climatiques qui risquent d'imposer des nouvelles couches d'inégalités et donc de instabilité à tout le système. Vous le voyez là, comment ce qui est important, c'est de donner une réponse qui soit intégrale, qui essaye de regarder tous les différents éléments. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc voilà ce que on a proposé il y a longtemps nous à l'Union européenne avec certains États membres, dont la France qui nous a très bien suivi au G7, la présidence de l'année passée, et d'autres États membres. On a posé une petite initiative avec les Nations Unies, avec DESA, avec le PNUD, mais aussi maintenant avec l'FMI, pour ce qu'on appelle le Comprehensive Financing Strategies. On a raconté ça, on l'appelle Integrated National Financing Frameworks, parce que ça, c'est le nom officiel qui est à la agenda d'Addis Abeba, l'agenda d'action d'Addis Abeba, sur le financement pour le développement. Si vous voyez ces petits cadrans qu'on a là, vous allez trouver les sources de financement d'un pays. Et donc, vous avez les cadrans domestiques internationaux et publics-privés. Bon, comme le vient de le dire Mahmoud, tout est en chute. Je veux signaler particulièrement l'APD, les ODA Grants and Other Official Flows South-South Cooperation. Cela, pour l'instant, au moins pour l'année 2020, n'est pas en chute. On verra. Mais ce que je voudrais vous signaler, c'est l'importance de, si on doit se récupérer, si les pays partenaires doivent se récupérer, ils doivent avoir non seulement une bonne politique de mobilisation des ressources domestiques, ils doivent avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qui s'est passé avec leurs ressources
financières, leurs sources de financement, et comment est-ce qu'on peut travailler dans deux sens, que je suis bien Mahmoud, donc vous voyez, je suis pas original, moi, mais d'abord, quelles sont mes ressources financières à présent? Comment est-ce que je peux œuvrer pour qu'ils soient accrus, pour avoir un meilleur accès à l'investissement étranger? Quelle est ma marge de dette? Quelle est ma marge fiscale intérieure? Quelle est mon efficacité des dépenses? Quelles sont mes ressources nationales et internationales? Comment est-ce que je peux attraire davantage d'investissements? Finalement, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les transferts d'argent? Comme vous le savez, pour certains de nos pays partenaires, les transferts d'argent sont parfois double, triple ou même quatre fois la taille des transferts publics APD, etc. Donc nous, ce qu'on propose, et vous le voyez là, le 16 pays pilotes qui se sont rejoints aux Nations Unies et à nous, il y a des pays comme la Colombie, la Namibie, le Cap-Vert, mais aussi l'Indonésie, le Vietnam et le Kenya. Nous, ce qu'on propose, c'est, puisque tout est en chute, il faut avoir une stratégie de financement pour les années qui suivent. Comme l'a dit très bien Mahmoud, la dette est un problème, les transferts d'argent sont un problème, l'investissement étranger direct est un problème, les ressources domestiques sont un problème parce qu'il n'y a plus de consommation, il n'y a plus d'activité, donc les niveaux d'imposition ne servent pas beaucoup. Mais ce qui est important de détecter, c'est pour ça que je voulais m'arrêter un petit peu sur cette slide, ce qui est important de noter, c'est que tout n'est pas important pour tout le monde. Je comprends et j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, vous pouvez pas, l'Union européenne ne peut pas faire ça avec un pays de l'Afrique parce qu'on a un problème de dette. » Et ma réponse est « Non, ce pays-là n'a pas un problème de dette. Par contre, ils ont un problème de revenus fiscaux parce que l'économie s'est arrêtée à cause de l'arrêt général de l'économie mondiale ou à cause du tourisme. Et alors là, ils ont de la marge pour s'endetter davantage, alors que le voisin, il n'a pas aucune marge de s'endetter davantage. Et donc, on doit choisir des combinaisons. Yes. On doit choisir des différentes combinaisons. Chaque pays doit chercher son propre système de récupération. Et nous, par exemple, l'Union européenne, la France et d'autres, nous, on doit arriver dans leur soutien. Et donc, c'est pour ça, prochain slide, s'il vous plaît. Merci. C'est pour ça que dans la réponse de l'Union européenne à la crise, nous, on a essayé de se mettre un peu partout. Je vais monter de bas en haut pour vous confondre un peu, et comme ça, vous restez pas tous devant l'écran. D'abord, on a travaillé sur la partie santé avec un marathon de pledging qu'on a fait ensemble avec plusieurs États membres, dont notamment la France, pour le développement d'un vaccin contre le Covid. Ensuite, on a travaillé via l'appui budgétaire en essayant de donner et de injecter de façon immédiate une liquidité au gouvernement, à leur budget, à travers du front-loading, mais aussi substantiellement pour leur permettre de faire face aux dépenses de santé qui venaient immédiatement ou faire face à l'arrêt économique. Pour ce faire, l'équipe Europe, donc vous voyez là l'Union européenne, les États membres, la BEI, la BERD, on a mis ensemble un premier paquet de 23 milliards d'euros. La semaine prochaine, le 8 juin, le lundi, soyez bien attentifs, les ministres de développement se réunissent à nouveau par vidéoconférence sous la présidence du haut représentant Josep Borrell. Et là, on va en discuter et on va, j'imagine, j'espère bien, accroître des contributions pour mettre une réponse globale de l'équipe Europe sur la table. Évidemment, ce que vous voyez là, c'est une réponse qui est un peu
partout. Il y a des subventions, il y a des crédits, il y a des crédits souverains, il y a des crédits aux investissements privés, il y a de l'appui budgétaire, il y a des projets. Pourquoi ? Parce qu'on trouve qu'on doit travailler ensemble, mais à chaque pays suffit son problème, si j'ose changer un peu le refrain, parce que on peut pas, comme je viens de dire, travailler sur la dette avec tout le monde. Il y a des pays qui en ont un problème, il y a des pays qui n'en ont pas. Et c'est pour ça que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a décidé la semaine passée d'annoncer et d'intervenir à l'événement de haut niveau des Nations Unies convoqué par Antonio Guterres, le secrétaire général, et elle a lancé un appel pour une initiative de récupération globale qui devrait relier non seulement la structuration de la dette, mais l'investissement pour atteindre les ODD. Pourquoi ? Eh bien, c'est bien évidemment, comme vous le voyez au top de le slide, c'est parce que nous, on a essayé de faire ici à la Commission européenne, avec les soutiens des États membres et notamment aussi de propositions de la France, de l'Allemagne, mais aussi d'autres qui venaient de l'Espagne et d'Italie, on a proposé que la récupération de l'économie européenne choisisse de booster les transitions digitales et vertes, tout en gardant un esprit juste, résilient et durable pour les générations futures. Prochaine slide, s'il vous plaît. C'est donc là ce qui est pour nous le plus important maintenant, c'est de travailler dans ces deux champs de travail. Le premier champ de travail, c'est les stratégies financières des pays. Chaque pays doit décider comment est-ce qu'il va se récupérer point de vue financier. Deuxièmement, c'est le niveau de récupération des politiques. C'est-à-dire, nous, on trouve que même si on est devant une des plus grandes crises économiques, sociales et environnementales qu'on a vécues dans notre temps, on doit toujours profiter d'une bonne crise ou d'une mauvaise crise pour changer la façon dont on travaille. Et c'est pour ça que nous, on est très derrière l'appel du secrétaire général des Nations Unies « Building back together », construisons à nouveau mieux, c'est ça, comme ça, pour évidemment viser la croissance verte, l'économie digitale et s'assurer qu'on ne laisse personne derrière, y compris en s'adressant aux inégalités, aux vulnérabilités et aux femmes et aux filles. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, je termine avec celle-là. Évidemment, une partie très importante de ce qu'on doit faire entre nous tous, c'est les financements publics, la mobilisation des ressources domestiques, vous l'avez là, mais il est important de savoir, comme l'a dit très bien Mahmoud, et j'ai mis les trois éléments ensemble. Ce qui est important, c'est que cette mobilisation de revenus domestiques soit axée sur les bonnes politiques et les bonnes politiques qui nous mettent plus proches des ODD et non pas plus loin. Prochaine slide, et c'est de la dernière, je le promets. Voilà, donc vous voyez que je viens de parler des affaires publiques, maintenant je parle des affaires privées, parce que là aussi, comme disait Mahmoud, c'est le budget public, ce n'est pas seulement d'accroître la collecte des impôts, c'est aussi d'être en mesure de dépenser plus efficacement. Plus efficacement dans la dépense elle-même, comment à partir du budget public, soutenir les investissements sociaux et économiques, mais c'est aussi comment faire en sorte que l'on puisse promouvoir l'engagement et la participation du secteur privé. C'est avec ces politiques-là bien appuyées et bien atteintes par le budget public qu'on peut très bien s'y récupérer si on a dans le radar comme on a dit, comme l'a dit la présidente de la Commission,
les défis jumelles, pardon, les défis jumeaux, la croissance verte, la croissance digitale pour une croissance plus juste et plus durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix. Je vais passer maintenant la parole à Michael Keane, qui est le directeur adjoint du département des finances publiques du Fonds monétaire international. The floor is yours, Mick. Merci. Merci, Craig. Et merci de m'avoir invité à cette réunion très importante. Maintenant, si vous m'excusez, je vais parler en anglais. So, I will then pick up really on some of the fiscal policy aspects, and particularly on the domestic revenue mobilization issues, if I may. First, just again, not wanting to repeat, but to take stock of how things have changed and where we are. So, as we've heard before, just before the pandemic, we had this work suggesting that the SDGs for low-income countries meant around $500 billion annually by 2030. For low-income countries to scale, that's about 15% of their GDP. So a tax increase, or a revenue increase rather, of 15 points of GDP. Now at the time, of course, there are many ways one could think of financing that, but in terms of scale, there was a kind of carefully crafted phrase in the IMF note on this, that talked about a 5-point increase in tax ratios by 2030 for low-income countries as ambitious but reasonable. And that is quite, even that 5 points of GDP, I think, was quite a challenging prospect. Where we are now, of course, is a completely different world, and I'm not going to repeat the kind of very excellent and scary numbers that Felix and Mahmoud gave us. I think I would stress also it's kind of even worse, and it's even worse because of the uncertainty, that it's not a normal business cycle problem. We have all kinds of uncertainty. We don't know about second waves. It's not as if it's, we know when to kick in with stimulus measures and so on and so forth. We don't know when a vaccine's going to come. So it's really even worse because of the uncertainty makes some of our traditional policy approaches, I think, more difficult. If I think about more narrowly on the revenue side, of course, the headlines are we have sharp revenue losses, we have spending increases, which reflect both the kind of whatever it takes approach to dealing with the first stage of the crisis. We have the subdued activity levels. At the moment, I think a lot of the emphasis on the revenue side has to be on kind of avoiding mistakes, things that are hard to reverse, like potentially VAT cuts in standard rates of VAT can be pretty hard to reverse when we need to do it. We also know there are very strong and potentially long-lasting sectoral impacts. We always think of tourism as an area of particular concern looking ahead. And we know, too, that there are potentially long-lasting behavioral changes out there, many of which we simply don't know what they are. But we can kind of guess, but really there's so much still uncertainty. We may have changes not only in the way of doing business, but in attitudes towards tax compliance, for example. And I would add too, there's kind of another crisis going on, which is low resource prices, which seem to be set to stay for a while. And even I think we would very much share the view that we want to make sure this is a green recovery. But we have to bear in mind that, for example, if that is going to be achieved, as we would tend to recommend, largely through aggressive carbon pricing, that's going to have quite an impact on some low-income fossil fuel-producing countries that we also have to figure into this long-term structural change agenda ahead of us. So outlook is for even more pressure to raise revenue for all the reasons we've already heard about, and in more difficult, challenging circumstances with this very difficult and awkward uncertainty. So what can we say about how we might face up to these challenges? Well, clearly now is the time for new ideas, if ever there was one. but of course, if we had great ideas for painlessly, efficiently, and fairly increasing revenue in low-income countries, we would already be doing it. So there's no kind of easy solution here. But maybe before coming to some of the traditional ones, maybe worth spending a moment on some
newer thoughts that I think have attracted more attention over the last few weeks, just to see if we think they might lead anywhere. And firstly, maybe just to start with a bit of good news for a change, or something promising, which relates, I think, also to something we just heard about from Felix, which I think the last few weeks we've certainly seen increasing and intensified efforts and interest in moving towards more digital methods of tax collection and assessment. Clearly, I think one of the lessons is going to be that tax administrations that were better prepared on their digital agenda have coped better with the crisis and are probably going to be better equipped to deal with a world in which social distancing and other changes of behavior will have to be coped with. So I think we can see that there is some momentum to accelerate progress in this important area that was already underway. And I think, not kind of related, I think there's also been progress on the spending side. There's been a lot of ingenuity on how to deliver benefits to workers and firms that are, you know, we often just label them informal, which I don't think is a very helpful label, but I would say more accurately described as firms and workers that are hard to reach through our established instruments. And there's been a lot of progress, I think, in many countries, an incredible amount of innovation in actually finding ways to reach these hard to reach people and firms. And that's clearly something we can hope to build on in improving tax systems looking forward. Of course, it seems unlikely that these are going to lead to generate in themselves all the additional revenue we're going to need. But I think there is some cause for optimism in terms of continuing efforts to essentially widen the taxpayer base. Maybe a second issue, a second idea that has been emerging, certainly for advanced economies at least, is the idea that these are times when some form of solidarity levy on the better off might play a useful role. We know that the real burden of dealing with the pandemic is aggravating existing inequalities across various dimensions. Nevertheless, it's a cost being borne by the less well-off in the interest of all of us. And that historically can be a moment at which people can accept some kind of solidarity levy, which might be, say, an add-on to the personal income tax at higher income levels or to the corporate tax, maybe even to the value-added tax. Of course, there are then going to be several important issues if we think about moving towards some kind of instrument of that kind. There are questions about, well, would such an instrument be earmarked in some way? Should it be earmarked to, I don't know, health spending, or somehow earmarked in relation to dealing with the pandemic, preparing for a new future? Tradition, of course, we are at the fund very skeptical about real earmarking of that kind. There's going to be a distinction to be faced between measures that we think are permanent, measures that we think are temporary. And there are clearly going to be, particularly maybe in some of the lower income countries, potential enforcement difficulties. But I raise that simply as something that people have started to talk about a little bit. There's a set of issues in the area of corporate tax that may merit some discussion. There have always been some discussion of a notion of an excess profits tax, a tax on rents, primarily, I think, fair to say, in the advanced economies. And the idea would be that if you have a well-designed excess profit tax, then that would capture firms that are doing and enterprises that have done particularly well during the pandemic, while not burdening those that have not done so well at all, would be targeted in that way. Of course, for many contexts, the question is going to be, is that going to be better than some kind of increase in corporate tax rates? Something I think one might want to talk about. A second corporate tax issue, I think, ties in with the reform process underway in the OECD's inclusive framework, where, without getting too into the weeds, there's a lot of discussion about what's called Pillar 2 of the OECD proposal, which is a notion of some kind of minimum tax. The issue there being, well, is that minimum tax going to be enforced by the country in which the investment occurs? Is it going to be a kind of inward minimum tax rule, which probably would be greater, more to the advantage of low-income countries, or is it going to be a minimum tax imposed by essentially the capital exporting country? And that's an issue that has been contentious, but is kind of still, I think, out there. Maybe a third issue we might put under the corporate tax label is this whole area of digital service taxation.
And again, these are very contentious issues, which I don't want to get into in much detail, but we certainly see a lot of interest in these kind of instruments of various, quite different kinds in many lower income countries, as well, of course, as in the EU and elsewhere. And we can argue about whether or not there's a cogent intellectual case for taxes of this kind. But in the bigger picture that we're, I think, focusing on today, I think, again, we'd see the revenue potential of those things is fairly modest. But it does feed into a more general issue, which is when we think about the design of the redesign, potentially the international corporate tax, what role, what taxing rights should we give to what are called destination countries, countries in which goods are sold, services are delivered. That would be a radical change in the system, but the door towards in that direction was gently opened, I would say, by the OECD last year. And there's going to be a question over the next months as to whether the pandemic experience is going to open that door a little bit wider or not. And also questions about whether such a development would be in the interest of the lower income countries or not. Some of our work suggests that it might be. But I think we have to, again, bear in mind that among the other things going on at the same time as the pandemic are these negotiations and discussions on major reforms of the international tax system. So those are some of the things that I think people begin to talk about as relatively innovative things for a forward-looking world. There are more, which we can perhaps talk about, but I wanted to highlight those. But in terms of big money, we're really back at the same core potential of tax improvements that were on the agenda before the pandemic. We're talking about extending the reach of the VAT. So some of our work suggests, for example, that improvements in essentially the design and coverage of the VAT could raise something over 3 points of GDP in many low-income countries. We can talk about what exactly I have in mind there. There are issues about strengthening the personal tax, property tax as well. There's a lot of interest in strengthening that. Important too, particularly at lower government levels, but I think we would see the revenue potential is somewhat limited. And there's a whole unfinished agenda on tax incentives of various kinds. And one slightly odd experience we've had, for example, is when we think about tourism countries, where you think, well, they're going to be particularly heavily hit in terms of their revenue. Well, it turns out not necessarily to be the case, because so many have given incentives to the tourism sector that actually the revenue hit may not be that bad. But there's a sort of slightly two-edged lesson there. So I think, Greg, those are the things I wanted to raise, if that's okay. I guess the question is whether future circumstances are going to leave governments so strained that there will finally be real action on terms of these really long-established directions of potential reform that to many of us have been pressing on with for several years. And the final two thoughts are, one is, you know, the questions about how we deal with this uncertainty, and also, of course, from my part, certainly a great openness to new and better ideas looking forward. So, merci à tous. Et avec ça, Greg, j'ai fini. Merci. Merci, Michael. Bien, on reviendra certainement sur les questions de traité de non-double imposition. Je passe la parole maintenant à Susanna Ruiz, qui est pour Oxfam. Merci Grégoire, et ravi d'être ici, d'être accompagné dans ce panel par des voix aussi puissantes. Je suis contente aussi de pouvoir intervenir après, parce que je retrouve beaucoup de proximité, beaucoup de connexion dans les présentations, dans les messages qui sont passés. Peut-être qu'en fait, de notre côté, de la société civile, notre inquiétude, c'est qu'historiquement, on a retrouvé certains écarts entre la volonté, le langage, les propositions et l'action, et la dimension et l'impact de l'action. Donc peut-être c'est bien pour moi aussi de rappeler quelques principes et quelques propositions qui sont importantes pour voir cet impact et comment ça va se dérouler. Donc pour nous, quand on parle de comment avancer vers
vers les ODD, en fait, il faut penser que cet agenda pour lequel nous avons encore 10 ans devant nous, en fait, elle se tient maintenant. Si on avait déjà une progression qui était lente ou qui était même à risque pour certains pays, ce qu'on retrouve maintenant, c'est un pas en arrière immense qui met vraiment en question comment les pays vont aborder cet agenda pour les 10 prochaines années. Donc, disons que le futur pour nous du succès des ODD se joue maintenant et le futur aussi de la réponse à la crise du Covid. Donc, pour en parler, quand on comprend l'ampleur de cette crise du Covid, il faut penser que c'est une crise qui tombe dans beaucoup de pays en développement dans des conditions d'extrême inégalité déjà. Donc, par exemple, quand on prend le continent africain et en particulier l'Afrique de l'Ouest, on avait fait une recherche qu'on a présentée il y a quelques mois en partant de trois principes, en comparant les différentes régions et en comparant les différents pays autour de trois questions principales. Leur engagement à la réduction des inégalités sur les questions d'investissement public, donc éducation, santé, protection sociale, sur les questions de fiscalité, donc cette mobilisation des ressources domestiques, et sur leurs questions du marché de l'emploi. Donc, trois éléments qui sont aussi fondamentaux dans ce moment, dans la réponse à la crise. Donc, ce qu'on a retrouvé à cette époque, à ce moment-là, c'est que l'Afrique de l'Ouest était la région la moins engagée dans un continent très peu engagé déjà dans cette réduction des inégalités. Donc, c'est une crise qui touche un continent et une région qui partent avec un point de départ extrêmement problématique. Mais quand on regarde de plus près, on voit que aucun des pays de la région ne peut partir sur des bases solides, ni sur les questions d'investissement en santé, ni de qualité de la santé, ni d'investissement, ni du modèle de politique fiscale, d'une façon suffisante pour aborder cette crise. Donc, en fait, c'est un poids lourd, en fait, pour eux, quand la COVID les touche, parce que le retard est déjà énorme et ça empêche d'avancer d'une façon plus rapide dans cette réponse à la crise. Et ça va expliquer aussi, dans beaucoup de pays en développement, pourquoi la réponse, surtout dans le confinement, a été des fois très radicale et beaucoup plus importante, considérant le nombre de cas qui étaient dans le pays, parce que les fragilités des pays sont immenses et ça conditionne énormément le risque d'expansion. Donc, dans tous les pays de la région, on retrouve ces mêmes faiblesses qui vont être exponentielles quand on va parler de l'impact de la crise. Mais donc, quand on pense à ces inégalités, il ne faut pas simplement voir ça du côté du Gini, des inégalités économiques, mais il va y avoir une interaction énorme pour comprendre comment ça se joue au niveau des différents facteurs pour définir ce niveau d'inégalité et conditionner cette réponse à la crise. Juste un exemple. Exemple, on parle beaucoup du Pérou ces derniers jours, malheureusement pour le Pérou. C'est un pays qui a eu peut-être la réponse la plus rapide et une des plus dimensionnées aussi en Amérique latine, qui devient maintenant l'épicentre de cette crise. Donc, d'une certaine façon, c'est le côté la forteresse financière du pays leur a permis de faire face à cette crise, mais cette stabilité financière du pays était au dépit d'une très mauvaise et d'une très fragile investissement en santé pendant les années précédentes. Mais ce qui amplifie la crise en ce moment pour le Pérou, c'est justement toutes les fragilités dans les autres questions. Un marché de l'emploi, enfin de l'économie informelle de 70%, le non-investissement en santé, des politiques de soutien à la population qui réussissent à toucher les populations urbaines, mais qui laissent complètement ou pratiquement de côté les populations urbaines. C'est des modèles que l'on va retrouver dans tous les pays, seulement dans le cas du Pérou, c'est un peu un paradoxe parce que c'est le pays qui était vu un peu comme un modèle dans la réponse, mais qui se retrouve encore être un des pays qui donne un exemple le plus grand, enfin le nombre de cas, qui montre la difficulté à aborder
aborder le, à contenir la contagion. Donc, quand on reprend le cas de l'Afrique de l'Ouest, justement, on retrouve cette informalité, 70% de l'économie informelle en milieu rural et le marché de l'emploi en milieu rural, 70% est informel, surtout notamment pour les femmes, mais c'est aussi des marchés qui sont extrêmement atomisés dans du côté productif et de la demande interne, ce qui les rend d'autant plus dépendants de l'extérieur et d'autant plus fragiles dans un contexte de crise aussi répandue que ce qu'on retrouve. Et comme je disais, des services de santé qui sont très très vite dépassés, qui sont absolument sous-équipés, mais ça se retrouve aussi, ça ne devrait pas nous surprendre quand on voit le sous-investissement historique et chronique dans la région en politique de santé, bien au-dessous de ce qui est conseillé par l'OMS et bien au-dessous de ce que les pays de l'OCDE peuvent faire. Donc, des fragilités qui se cumulent. Mais ce qui a amplifié aussi, c'est cette dépendance des matières premières qui a approfondi la crise. Et pour certains pays, c'est une dépendance aussi de la Chine qui l'a accélérée. Donc, on retrouve certains pays pour lesquels, même si ce n'était pas dans les infos, la crise financière et la crise fiscale, elle a commencé à toucher même au mois de janvier avec le ralentissement et l'arrêt de l'économie chinoise. Donc, pour les pays à extrême dépendance de la Chine, la crise fiscale, elle démarre avant la crise de santé. Et quand la crise de santé arrive, on retrouve des pays qui sont extrêmement déjà en dessous de leur capacité au niveau de la récolte, de la collecte fiscale. Ghana, c'est un des pays qui a perdu déjà plus d'un milliard de dollars de recettes, au-delà des montants qui sont plus importants que l'ensemble de l'investissement en santé l'année précédente, pour dire l'ampleur. Mais ça conditionne aussi la capacité de réponse de ces pays. Donc, ce qu'on retrouve dans ce graphe, c'est que, en fait, par rapport à d'autres pays européens et d'autres pays en Asie aussi, on retrouve une capacité, une dimension, comme disait Mahmoud au début, de réponse qui est très faible, justement parce que les fragilités accumulées empêchent les pays d'avoir une capacité de réponse beaucoup plus expansive. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'au fur et à mesure que le confinement se poursuit, qu'on s'attendait au début à avoir des périodes plus courtes, les pays pouvaient faire un effort, une anticipation plus rapide. Mais quand on voit la duration de ce confinement, ce qu'on retrouve, c'est que pour certains pays, la perte des recettes fiscales peut aller même jusqu'à 40% de revenus dans les mois qui courent. Donc, ça montre vraiment qu'on pourrait atteindre la fin de l'année avec des pays qui étaient déjà en dessous de leur niveau de potentiel en termes fiscaux, mais qui sont beaucoup plus, qui peuvent se retrouver presque à la moitié de leur capacité de l'année. Alors, quand on prend ça dans l'abstrait, c'est problématique parce qu'on pense à la recette, à l'investissement en politique de santé, en politique de protection sociale, mais quand on pense au lien qui existe, qui se produit avec l'endettement et l'évolution de l'endettement, c'est d'autant plus important. Ce qu'on a vu, par exemple, en regardant l'évolution des recettes fiscales en Afrique subsaharienne dans les 10 dernières années, depuis l'antérieure crise financière, c'est qu'en fait, on se retrouve au point le plus bas de collecte fiscale, en 10 ans, n'a pas réussi vraiment à améliorer. Alors, quand on pense à la route vers un succès des ODD, sachant que ces pays se retrouvent dans l'ensemble au point le plus bas, ça montre vraiment qu'on ne va pas dans la bonne direction. Mais quand on voit l'évolution inverse au niveau de l'endettement, ça montre aussi que non seulement c'est des chiffres qui inquiètent du point de vue macroéconomique, mais ça veut dire aussi automatiquement une réduction de la capacité d'investissement en politique sociale. Donc, à chaque fois que l'on retrouve une augmentation de la dette, à chaque fois, on va retrouver moins de capacité de l'investissement en éducation, en politique publique. On a vu ça aussi pour des pays comme le Sierra Leone, la réponse à l'Ebola, par exemple. Ça s'est traduit ça s'est multiplié par deux le niveau d'endettement en 4 ans. Mais la réaction postérieure, ça a été de réduire les investissements en santé, de 16 à 13%, si je ne me trompe pas. Donc, ça va de la main. Donc, ça nous montre aussi qu'il y a un risque énorme avec cette réaction, cette réponse à l'endettement qui est nécessaire pour cette première phase, mais qui va poser des problèmes d'avenir. Donc, dans notre point de vue,
Une des raisons les plus importantes pour cette évolution, ces tendances qui sont complètement diamétralement opposées, c'est le manque de volonté politique. Une réforme fiscale demande un engagement de négociation politique au niveau parlementaire avec tous les acteurs économiques et sociaux énormes, qui a un coût politique beaucoup plus important que le niveau d'endettement qui est toujours un problème, si vous voulez, à l'avenir pour ceux qui viendront après, mais qui coûte beaucoup moins comme financement pour un gouvernement en termes de coût politique. Donc, ce qu'on voit, c'est que le choix politique de beaucoup de gouvernements, c'est de se financer auprès de l'endettement au lieu d'utiliser la volonté politique, la capacité de réforme publique, de réforme fiscale pour augmenter les ressources disponibles. Mais on retrouve ça pareil en Amérique latine, c'est exactement pareil. À des niveaux de tension au niveau de l'endettement dans l'ensemble de la région, sauf pour certains pays qui est similaire, mais exactement le même problème et les mêmes choix aussi politiques. Mais alors, dans un contexte de non-croissance maintenant, de chute de la croissance, de chute des revenus, de chute de l'investissement, ces situations n'est plus tenable. Donc pour nous, c'est le moment de récupérer ces recettes fiscales. Et c'est un objectif qui semblait beaucoup plus compliqué dans les années précédentes. Encore, ce n'était pas une question technique, c'était une question de volonté politique. Donc pour nous, il faut comprendre, il faut faire passer le message à tous les gouvernements que la sortie de cette crise, qui est d'une dimension extraordinaire dans le mauvais sens du mot, doit faire appel à des solutions non traditionnelles, comme disait Mick. Donc, on ne peut pas penser que pour répondre à une crise comme celle que l'on vit en ce moment, on peut justement penser à des solutions partielles qui ne sont pas structurelles, non traditionnelles et d'ampleur considérable. Donc, pour nous, il faut commencer dès maintenant, il ne faut pas attendre l'année prochaine, il ne faut pas attendre ce premier cycle de ressources qui peuvent arriver des organismes internationaux. Il faut commencer à faire passer ces réformes dès maintenant, justement à cause de la sensibilité politique dans le contexte actuel qui devrait permettre plus facilement de faire passer des réformes qui étaient complètement bannies dans les années précédentes, bannies même du débat et du discours médiatique. Donc, dans ces réformes d'urgence, là, je rejoins Mick quand il parlait, le FMI parle de solidarité levy, donc des impôts de solidarité sur la richesse, peu importe que ce soit des impôts de solidarité temporaires ou des mesures dans les pays dans lesquels l'impôt sur le patrimoine net ou d'autres formules de taxation sur la richesse n'existent pas déjà d'une façon structurelle, il faut vraiment aborder cette taxation de la richesse. Ce qu'on retrouve, c'est que les plus aisés de différents pays n'ont pas été touchés de la même façon. Hier, on voyait par exemple en Espagne, même les 20 personnes les plus riches ont augmenté leur richesse de 16%. Bon, si quelqu'un essaye de nous expliquer qu'il y a un risque réel et d'impact négatif dans la croissance parce qu'on demande à un groupe, à une élite, d'avoir une contribution plus importante à ce moment dans un pays qui est complètement dévasté. Enfin, franchement, j'ai du mal à comprendre la cohérence des propos ou le concept de la solidarité, de la vision d'ensemble de la solidarité. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à taxer ces secteurs qui sont porteurs, ces niches, ou qui ont été sous-taxés dans le passé. Donc, on a mis parler de excess profit tax, donc d'essayer de taxer davantage ces secteurs d'activité qui sont retrouvés avec des bénéfices extraordinaires, mais aussi des activités digitales. Alors, là où on retrouve un peu de différence, c'est que autant on soutient le besoin d'avancer sur un agenda global à l'OCDE, ou aux Nations Unies, mais qui montre vraiment une réforme intégrale du modèle de fiscalité des entreprises au niveau international, tant c'est quoi qu'il arrive, au mieux, ça permettra, s'il y a un accord en fin d'année, ça permettrait d'avoir des ressources dans 2, 3 ou 4 ans, parce que les accords internationaux demandent du temps. Donc, ce que l'on propose, c'est d'accélérer la mise et de passer à des propositions de court terme, immédiates, et de suivre l'exemple de beaucoup de pays, d'Inde, d'Indonésie, Philippines, Nigeria, qui avancent sur différents modèles pour taxer ces activités digitales dès maintenant, sans attendre à l'accord international, mais tout en participant à cette proposition internationale. Après, il faut mettre fin aux paradis fiscaux. Il y avait une recherche très intéressante du FMI il y a quelques mois qui s'appelait l'investissement fantôme, qui montrait que 40% de l'investissement international
est fait au travers de paradis fiscaux. Et je me souviens, au moment de la présentation, il donnait des chiffres, par exemple, pour le Burkina, où l'on montrait que l'investissement du Burkina était 3 fois plus important au travers de Barbados que de la France. Mais dans l'idée de personne, viendrait de penser que le partenaire commercial de Burkina est plus naturellement une petite île dans les Caraïbes que la France. Donc, c'est des jeux au travers des paradis fiscaux qui brisent la capacité de retenir des ressources légitimes pour les différents pays, autant à l'entrée ou à la sortie de ces capitaux. Donc, il est très important de mettre fin à ces utilisations des paradis fiscaux. Pour nous, il ne faut pas attendre longtemps non plus pour avancer sur les incitations fiscales. C'est un coût à l'État qui ne rapporte rien. La plupart des cas, il y a énormément d'exemples, énormément de travail fait par les Nations Unies, par la Banque mondiale, par le FMI, qui montrent que c'est des investissements qui pourraient se tenir exactement pareil, même sans ces incitations. Donc, c'est le moment de le faire, même dans des secteurs comme les industries extractives qui vont énormément souffrir aussi en ce moment. Mais il y a un travail de long terme aussi. Il faut récupérer cette idée du contrat social, cette volonté, ce lien entre l'acteur, l'État, et les différents acteurs économiques, la société civile, le secteur privé, le contribuable, les citoyens, tout cela, c'est-à-dire si cette crise a mis en valeur quelque chose, c'est le rôle de l'État. Donc, il faut rajouter à ce rôle de l'État, c'est le rôle autour des questions fiscales comme le mécanisme, comme le levier qui va permettre dans le long terme la soutenabilité des recettes et donc du modèle de société que l'on veut mettre en route. Donc juste pour finir, c'est une crise d'ampleur considérable, comme on n'en avait pas vu, et il faut faire des choix. On a des recettes qui sont limitées, et donc il faut faire des choix. Et dans ces choix, pour nous, ce qui est important, c'est si encore on garde en vue l'objectif d'atteindre les ODD, il faut surtout pas accélérer les consolidations fiscales. Je sais que le FMI aussi en parle, mais pour certains pays, dans certains programmes, ça commence à nous inquiéter, certains messages qui sont passés. Mais c'est aller vers une consolidation fiscale, surtout avec les leçons de la crise financière précédente. C'est la direction opposée pour réussir les ODD. Et c'est la route vers l'austérité simplement. Il ne faut surtout pas retomber dans le piège de la course au moins-disant fiscale. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans cette préoccupation pour attirer des investissements étrangers, on ne peut pas tomber dans le piège de le faire simplement au travers de mécanismes fiscaux qui ne rapportent pas de la valeur, mais qui ne vont bénéficier que ces entreprises qui vont s'installer, qui vont jouer et qui vont mettre en compétition tous les différents pays. Et il faut prioriser surtout le soutien aux plus vulnérables et pas aux entreprises, aux grandes, larges entreprises à tout prix. Donc, il faut mettre des conditions à ces plans de soutien aux entreprises, à ces restructurations sectorielles ou individuelles qui vont se tenir. Et comme je disais, il faut faire passer le message des réformes fiscales d'urgence et aussi, cela doit venir des institutions internationales. Donc, le choix des institutions internationales, des bailleurs de la communauté internationale, c'est d'accompagner les différents pays pour éviter les mauvais choix et pour insister sur les meilleures politiques à mettre en route. Mais il faut aussi donner un espace aux organismes régionaux, la CDA entre autres, pour pouvoir jouer à valoriser l'ensemble des politiques, non pas simplement sur le court terme, mais sur le long terme, sur le moyen terme et le long terme. S'il y a des choix aussi importants à faire, il faut que ce soit des choix collectifs aussi entre les différents pays. Et finalement, je ne pouvais pas finir sans le dire, l'aide internationale sera plus qu'essentielle. Pour certains pays, ça va être vraiment le gilet de sauvetage dans des moments très importants. Là, j'ai un message pour Félix. Aussi, l'aide en question, l'aide pour les politiques de l'IRM, il ne faut pas que ce soit la politique qui soit laissée de côté. Si on veut augmenter les capacités des pays, il faut aussi augmenter la capacité à soutenir ces pays pour qu'ils puissent y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Susanna. Merci beaucoup. Bien, nous pourrons discuter de tout cela après. Donc, la dernière parole est à Monsieur Philippe Lacoste, donc directeur du développement durable au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous en prie. Merci. Oui, merci Grégoire et bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à ce panel et je ne saurais commencer sans remercier l'équipe de l'IGDM d'avoir su s'adapter au contexte pour organiser des débats sur un sujet qui nous importe dans l'après-Covid-19, à savoir le financement
de l'agenda 2030. Alors, avec grand plaisir, mais aussi qu'avec un peu d'appréhension, parce qu'en intervenant en cinquième position, je me doutais bien que beaucoup de choses allaient être dites et bien dites. C'est pourquoi, si vous me permettez, j'ai un petit peu changé ma présentation et je prendrai les choses peut-être par le petit bout de la lorgnette, à savoir vraiment qu'est-ce qu'une bonne politique budgétaire ou en tout cas conforme à l'agenda 2030. Parce qu'évidemment, quand on commence à se poser cette question, se pose naturellement le sujet des financements. Qu'il s'agisse de l'aide publique au développement, des flux privés, mais aussi de la mobilisation des ressources intérieures des pays. Mais je crois qu'il convient, et Mahmoud l'a dit en introduction, de réfléchir aussi à l'allocation optimale de ces ressources. Et en principe, c'est ça l'objet d'un processus budgétaire. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits sur ce sujet, notamment le FMI, dont c'est un peu la spécialité, mais aussi à la Banque mondiale et au PNUD. Et ce que je souhaiterais maintenant partager avec vous, c'est quelques exemples, quelques enseignements peut-être de ma pratique des pays en développement, même si, il faut le rappeler de temps en temps, la question de l'agenda 2030 ne se pose pas aux pays en développement. Alors, le constat, il est assez simple, c'est que, de manière générale, le lien entre ODD ou Agenda 2030 et processus budgétaire n'est pas formalisé. De plus, souvent, ces objectifs du développement durable sont insuffisamment pris en compte dans les plans nationaux de développement. Et de fait, les négociations budgétaires se déroulent souvent de façon un peu routinière, service par service, avec d'abord des contraintes de fonctionnement et très peu de marge pour l'investissement. Il n'existe pas, à ma connaissance, de méthodologie internationale des ODD, de nomenclature de l'agenda 2030, même si certains experts du PNUD peuvent en rêver. Et ce sont souvent des ONG qui assurent de fait le travail de suivi des ODD. Néanmoins, il existe des démarches intéressantes. Alors, depuis plusieurs années, la littérature signale le cas du Mexique. J'ai appris tout à l'heure que l'Espagne était aussi un pays exemplaire en la matière, avec des structures budgétaires plus ou moins calquées sur les ODD, ce qui permet évidemment des choix et un suivi. En Afrique, c'est un cas que je connais un petit peu, le Ghana est assez avancé pour suivre les dépenses contribuant aux différentes cibles. D'autres pays, et je pense que c'est intéressant de le noter parce que c'est parfois critiqué, adoptent une démarche centrée sur un seul ODD. Par exemple, l'égalité femmes-hommes ou le changement climatique, comme le fait le Bangladesh ou l'Indonésie. Et donc, ils concentrent l'ensemble de leurs efforts et du suivi de leurs procédures budgétaires sur ces thématiques qui sont des thématiques qu'ils considèrent comme prioritaires. Alors, sur ce sujet de la programmation, il y a eu beaucoup de gens se posent la question, beaucoup d'ateliers se sont tenus, souvent dans le cadre du programme PEFA, et j'en ai extrait pour vous quelques-unes de leurs recommandations, hein, des recommandations qui ne sont pas des recommandations de fiscalistes, mais des recommandations d'experts du développement, et je vais maintenant vous les donner, elles sont au nombre de 6, et permettre, je crois, de répondre à la question qui nous est posée. La première recommandation, c'est de considérer les ODD à tous les niveaux du cycle budgétaire, pendant la préparation, pendant les arbitrages, pendant l'exécution et pendant le suivi. Parfois, malheureusement, on essaye de s'en souvenir qu'au moment du suivi, et du coup, on a des plus grandes difficultés. La deuxième recommandation, c'est rassembler l'ensemble des ressources financières. Et là, je ferai allusion à ce qu'a indiqué tout à l'heure Félix, des cadres nationaux de financement intégrés qui doivent justement de ne pas mettre de côté certaines ressources, mais de bien les mettre dans un pot commun pour qu'elles puissent être arbitrées en fonction des différentes priorités. Alors, sur ce sujet-là, la France essaye dans sa stratégie de mobilisation des ressources intérieures de mettre justement au point des méthodes parfois de les soutenir et pour s'appuyer à ce précepte
européens, mais aussi africains, certes collecter plus, mais aussi dépenser mieux. La troisième recommandation est très simple, c'est une des difficultés du concept, c'est bien prendre en compte les liens inter-ODD. Parce que même si certains sont utilisés comme pilotes, l'ensemble des ODD doivent être pris en compte. Une ligne budgétaire contribue souvent à plusieurs ODD et inversement, plusieurs lignes budgétaires contribuent souvent à chaque ODD. Ça conduit à la quatrième recommandation qui est de privilégier une classification par programme et non pas par service de dépenses. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est ce qui permet de définir les meilleures cibles et du coup de définir les meilleurs résultats, les meilleurs impacts. Cinquième recommandation, coordonner le processus avec toutes les parties prenantes. La processus budgétaire, elle se réduit parfois, y compris dans les pays de l'OCDE, à un dialogue entre le ministère des Finances et un ministère sectoriel, si possible les uns après les autres. C'est pas sans doute comme ça qu'on atteindra le plus facilement l'agenda 2030. Convient d'associer plusieurs ministères sectoriels, le Parlement, les corps de contrôle, la société civile. Et c'est une telle approche inclusive qui permettrait, à mon avis, d'avoir à la fois une vision, faire des choix et de faire les suivis. Sixième et dernière recommandation, institutionnaliser les ODD autant que faire se peut dans le cadre légal. Alors voilà, je suis un fonctionnaire et donc je crois aux circulaires, aux nomenclatures, aux documentations. Je crois que dans le domaine budgétaire, c'est sans doute ce qu'il peut y avoir de pire, mais ce sont des règles qui sont souvent suivies à la lettre et donc il faudrait qu'elles puissent être modifiées pour que ces ODD en fasse partie, qu'elle soit intégrée, et ainsi elle permettrait, encore une fois, des rapports de mise en œuvre beaucoup plus simples que d'essayer de faire des reconstitutions ex post. Donc, voici quelques indications que moi j'ai relevées parmi notamment un atelier auquel j'avais participé sur ce thème en Afrique de l'Ouest. Et pour finir, j'aimerais vous citer deux exemples qui sont des exemples que nous soutenons et qui sont mis en œuvre par l'Agence française de développement. Alors, l'un au Maroc, l'autre au Sahel, et tous les deux concernent l'égalité entre les femmes et les hommes, l'ODD numéro 5. Et je crois qu'il n'y a plus, si mes données sont correctes, il n'y a plus aujourd'hui d'une trentaine d'États qui considèrent cet objectif vraiment intégrés à leur procédure budgétaire. Concernant le Sahel, je vais commencer par celui-là. Le thème est très simple. Il est né lors du G7 développement de l'an dernier. Le G7 était à l'époque présidé par la France. Et nous avons souhaité aborder le sujet de l'éducation des jeunes filles, et notamment la question de faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps à l'école, qu'elle puisse achever des cycles scolaires. C'est l'initiative que nous appelons Priorité à l'égalité, Gender at the Center en bon français. Nous y consacrons environ 5 millions d'euros, de nos partenaires, Commission européenne, Allemagne et Royaume-Uni. Et qu'est-ce que cette initiative a de particulier? C'est qu'elle considère le thème de l'égalité filles-garçons à travers tous les niveaux des ministères de l'Éducation nationale, c'est-à-dire à travers l'allocation des bourses scolaires, à travers la construction des infrastructures, notamment sanitaires, à travers le recrutement d'enseignantes, à travers la formation des personnels. Tous ces sujets, ils impliquent des coûts et ils impliquent donc un exercice de budgétisation spécifique pour s'assurer, dès la phase de planification, qu'ils sont bien pris en compte. Ce programme, il implique plusieurs organisations internationales spécialisées. Il est aujourd'hui en cours de démarrage malgré les difficultés que vous pouvez imaginer, mais nous sommes convaincus qu'il permettra d'assurer ce lien à l'intérieur d'un même ministère et d'impliquer tous les services en se posant à chaque moment cette bonne question. Ça paraît simple, mais ce ne l'est pas, parce que bien souvent des choses aussi simples que des données ségrégées par genre, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, pour tel programme, combien de filles, combien de garçons, ça on ne le sait pas. Et les ministères de l'éducation souvent
ne le savent pas, sans même évoquer les blocages. Le second exemple que je voulais évoquer brièvement est plus ambitieux. Il s'agit d'un projet d'encouragement à un processus de budgétisation sensible au genre au Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire, budgétisation sensible au genre? Ça ne veut pas dire uniquement un financement accru des politiques publiques en faveur de l'égalité. Ça veut dire aussi, mais surtout, ça nécessite une analyse approfondie des politiques, des décisions budgétaires et de leur impact sur l'égalité. Et ainsi, on peut tenir compte des besoins différenciés, de s'interroger sur l'influence dans un sens ou dans un autre d'une décision et de favoriser l'égalité. Pour encourager la mise en œuvre de cette démarche, l'Agence française de développement a lancé un prêt de politique publique de 100 millions d'euros pour soutenir le Maroc dans cette direction. Pour l'anecdote, et je pense que c'est intéressant, lors de l'examen de ce projet au conseil d'administration de l'AFD, mes collègues de la direction du budget français se sont abstenus en considérant que les indicateurs n'étaient pas sérieux. Je cite. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Quatre ministères marocains sont associés. Il y a un article dans la loi organique de finances avec la nécessité que des programmes soient présentés avec des objectifs de performance. Il y a un accompagnement qui est apporté par ONU Femmes à Rabat et le prêt est versé par tranche au trésor public marocain en fonction de l'atteinte des résultats. Alors, ça a commencé en 2018. En 2019, la quasi-totalité des résultats annuels avait déjà été atteint. 25 millions ont déjà été versés. Et donc, on peut espérer que ce programme tienne ses promesses, qu'il réponde à des difficultés bien identifiées, le manque d'indicateurs, j'en ai parlé tout à l'heure, le manque de volonté politique et le manque de coordination entre ministères. Alors, ces deux exemples montrent comment, il me semble, une procédure d'allocation budgétaire peut être mise au service d'un objectif du développement durable. Certains diront que c'est prendre l'agenda 2030 par le petit bout de la lorgnette. D'autres diront peut-être que c'est déformer les objectifs du développement durable par une attention particulière attachée à l'un d'entre eux. Étant dans un ministère qui se veut défendre une diplomatie féministe, je préfère pour ma part y voir un progrès et un exemple peut-être qui pourrait en inspirer d'autres. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur votre sujet du jour, qui portait sur les procédures budgétaires. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. Bien, il nous reste quelques minutes pour faire un débat autour, à partir des questions que j'ai pu recevoir. Alors, une première question qui revient assez régulièrement concerne en fait la réforme budgétaire environnementale. D'accord. Si je reprends par exemple effectivement la question du coût politique d'une réforme fiscale, ou budgétaire en plus général, est importante, mais il y a, c'est un point qui m'a semblé on n'a pas abordé. Et je sais que Mick a travaillé aussi dessus, les Nations Unies, la France, l'Union européenne est dessus. C'est est-ce que l'on va vers un retour au protectionnisme carboné par une taxe carbone qui non seulement protégerait quelques emplois en Europe au détriment d'autres pays. La guerre tarifaire américaine et chinoise est connue déjà, mais est-ce que voilà un réarmement tarifaire via une taxe carbone pour protéger l'emploi et aussi l'environnement, avec un coût politique bien moindre que d'autres réformes fiscales plus engageantes. Donc s'il y avait cette question là, que pensez-vous? Et plus généralement, pour aller au-delà de l'aspect fiscal pur, qu'en est-il d'une réforme budgétaire environnementale? Je vous laisse la parole. Qui veut la parole? Je peux intervenir très vite parce que je suis revenu et je crois que j'ai aussi vu quelques questions. Mais je prends la vôtre, Grégoire, très vite. Je crois qu'on a tous l'habitude de poser des questions qui sont un peu... Et ce n'est pas votre question, la façon dont vous la posez, mais c'est plutôt la
façon dont on pose les questions aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que l'Europe est en train de devenir protectionniste avec un taxe carbone, etc., etc. Attendez, tout le monde s'est mis d'accord, et je dis tout le monde s'est mis d'accord pour aller vers une économie durable, durable en sens verte. Donc nous tous, nous, tout le monde, on s'est rendu compte que si on continue comme ça, c'est pas durable. Donc on doit transformer. Nous, on doit transformer, tout le monde doit transformer. L'Union européenne a pris la responsabilité de faire un pas en avant en proposant, et je crois que tous les États membres sont d'accord, les grandes questions, est-ce que on est d'accord sur la vitesse, on est d'accord sur les différents notes du clavier, mais on est tous d'accord de faire ça. Alors, si je suis en train de réfléchir à l'Union européenne, on est en train tous de réfléchir à produire des façons vertes et de faire une transition dans cette direction-là, je trouve que soit le reste du monde va accompagner les engagements qu'ils ont pris à l'agenda 2030 et aux accords de Paris, soit c'est un peu difficile pour l'Union européenne de s'imposer à elle-même des conditions qui seraient différentes, voire plus dures qu'aux autres pour participer et pour vendre au marché commun. Donc oui, je trouve que une bonne façon de répondre peut-être négativement, c'est de dire « Ah oui, l'Union européenne, oui, les méchants ». Oui, c'est peut-être ça. Mais moi, je dirais à l'envers. Est-ce qu'on est tous d'accord à ce qu'on doit transformer pour devenir plus durable? Si on est tous d'accord, on doit tous transformer. Donc, est-ce qu'on va engager une compétition les uns contre les autres? Je ne veux pas. Mais nous, si on va se transformer, nous, parce que nous, on y croit, on doit être sûr que cette transformation n'engage pas une course vers le bas contre notre propre citoyen, contre nos propres entreprises et contre la durabilité de la planète. Dernière intervention, parce que je vis des questions. Est-ce que les budgets de coopération au développement vont être soutenus? Pour l'instant, pour ce qui est le budget de la Commission européenne, et même en passant d'un budget à 28 à un budget à 27, moi je trouve que la proposition de la Commission et les discussions toujours inachevées au Conseil européen et au Parlement me semblent aller dans la bonne direction pour ce qui est les budgets de l'Union européenne. Pour ce qui est les budgets des États membres, je ne peux pas évidemment dire, mais je trouve que je vois dans cette crise une énorme opportunité pour le leadership. Je ne savais jamais su comment dire ça en français, leadership, mais enfin, vous m'aiderez là. Pour le leadership de l'Union européenne, si on y croit vraiment à une transformation vers la durabilité de la planète, l'Union européenne et les États membres doivent non seulement regarder vers l'intérieur, ils doivent regarder vers l'extérieur. Et j'en suis convaincu que ça se fera comme ça. Merci. Merci beaucoup, Félix, pour cette réponse. Mick et Mahmoud veulent répondre aussi, participer, et Susanna, je pense que la taxe carbone. Mick en premier, Mahmoud, puis Susanna. Oh. Thanks, Greg. No, just a few thoughts very quickly. Okay, beyond the point that, of course, countries have made their commitments under the NDCs, so the question is how do they achieve their commitments most effectively? A lot of economics says that the most effective way to do that is by a carbon tax. Bearing that in mind, of course, more generally, from the global perspective, it's really the big emitters that matter most, which is why we at the Fund are interested in the idea of having kind of some form of minimum carbon price that might not be as high in small low-income emitters as elsewhere. To mention, too, of course, you know, when we think about, we have been looking for sources of revenue. And maybe to bear in mind that in lower income countries, the carbon pricing can actually be relatively progressive, or at least not a regressive measure, because of course many of the poorest, you know, they're not on the grid, they're actually not using much in terms of fossil fuels directly. So some of the work we've done on the impact of carbon pricing in low income countries suggests that at least within countries, we shouldn't assume that it's a regressive tax, it may actually be relatively progressive. And of course, it may help to reach some enterprises that are hard to reach otherwise.
But also to bear in mind that in many countries, there are considerable side benefits from carbon pricing in terms of local damage. So if we think about local pollution damage in big cities, for example, then we can make a strong case for various forms for carbon taxation as an imperfect environmental device to look to address not climate change, not global concerns, but actually local concerns in terms of the premature deaths and so on in some of the big cities. So I'll leave it there, as I know others are keen to step in too. Thank you. Merci, Mick. Mahmoud? Right. Thank you so much. Just a quick reaction on possible revenues going forward. And there were some good suggestions on that, including what was just mentioned now in areas related to climate and carbon, and earlier as well on issues related to taxing wealth. And I've seen from the old work of Keynes that there is a tendency to save by those who can afford it. So there could be some articulated ways, not to discourage savings, but could really be having some interesting spots in dealing with the inequality that was mentioned earlier by Felix as well. So I think we need to explore the menu options for tax revenues from the very local level to perhaps considering some of the collection of revenues from a regional or global perspective. I'd like to take that very quickly into a bigger picture approach. If, as mentioned by many of you, in different ways, that we are living an unprecedented era. There are lots of shocks that we haven't seen before. If we are in the language of Stefan Zweig about these decisive moments, so can we really take this kind of energy and fire that comes from these decisive moments to embark on reforms? I monitor with great interest and excitement what is the European Commission, the European Union is doing, what some people ambitious enough to say about fiscal federalism. Some good ideas that could come and be shared by other regions on that front, linking the low interest rates with long-term borrowing for the good, linking the short-term to the midterm and long term, as I was trying to say earlier. And I think many people, including Nick Stern, have articulated this issue of linking the short term to the long term. So what we need to put really is not just to, as we did for good reasons, perhaps at the time, everybody is wise at the hindsight, but to go beyond the domestic resource mobilization, consider the political economy at the national level, with links to the global, region, and local, try to see what could be the opportunities going forward if it is a world that's going to be more digitalized, more localized, more regulated, actually. So there could be some interesting links here between what could be done at budget and the fiscal policy associated with it, and then with the new regulatory framework that we are seeing unfolding currently. So that, I think, needs more, not just the integrated national financial framework that Felix was describing, which is great, but we need to have a more integrated economic and social approach beyond finance in order to mobilize finance within a context of response and recovery. It needs a bigger machinery than the specialists on finance and budgets, but those who are aware of the political economy dynamics as well, and with some assumptions about different scenarios in order to do a better job going forward. Thank you. Merci Mahmoud. Susanna? Oui, je voulais pas revenir sur la taxe carbone qui est vraiment une des mesures qui a un potentiel de collecte plus
important, mais qui a un coût politique probablement, surtout dans les pays développés, plus bas. Pour moi, il faudrait penser à la véritable, l'engagement réel des différents pays, des différentes régions à cette transition vers une économie plus verte. Donc, je suis absolument convaincue. Mais si on veut le mesurer, pareil, il va falloir faire des choix maintenant et on va pouvoir le voir, quel est l'engagement des pays. On va voir des demandes de soutien de secteurs d'activité très spécifiques, mais qui ne sont pas des secteurs qui vont avoir une contribution la plus importante vers une transition économique, une transition énergétique la plus importante. Donc, des secteurs comme le secteur aéronautique, le secteur automobiliste, ça, c'est des secteurs qui ont un poids énorme, qui vont recevoir, qui vont concentrer une partie importante du soutien financier aussi des différents pays, mais dans le bilan énergétique ou dans le bilan dans la transition énergétique, mais peut-être pas absolu. Donc, en dehors des mesures fiscales comme la taxe carbone ou d'autres qu'il faut mettre en place, il faut une politique de cohérence dans l'ensemble, notamment dans les incitations fiscales. Et en ce moment, on va pouvoir mesurer ce niveau d'engagement en voyant s'il existe des conditionnalités. On commence à le voir dans certains pays, en Autriche par exemple, qui acceptent de soutenir certains secteurs, mais avec des conditions d'engagement dans une réduction de l'impact environnemental, dans la protection de l'emploi, dans les dividendes, etc. Donc, dans un modèle de société qui a un impact négatif beaucoup moins important et qui vont montrer vraiment si l'engagement des pays va au-delà juste du discours, du beau discours, mais dans la réalité effective de l'ensemble des politiques. Merci Susanna. Bon, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas tour de la taxe carbone aujourd'hui, mais juste une petite remarque. J'ai toujours été frappé pour avoir travaillé assez en Afrique, dans les pays en développement. Il faudrait remettre en question aussi la Convention de Chicago sur l'exonération d'impôts et de taxes de tout ce qui est kérosène pour les avions sur les vols internationaux. Ça touche aussi la France, hein, les Gilets jaunes, hein, c'était une revendication. Mais il y a cette convention des années 60, Convention de Chicago, qui exonère. Donc, il faudra imaginer un impôt minimum mondial sur l'essence ou le pétrole, comme vous avez l'impôt sur les cigarettes au niveau de l'OMS. Une question qui relève donc plutôt sur le digital, la taxation digitale, pour finir avec l'aspect de taxation avant de partir sur le budget. Comment entreprendre, comment les pays en développement qui se consomment aussi du Netflix ou autres services digitaux, sans faire de publicité, Amazon, etc., comment mettre en place cette taxation digitale, sachant qu'ils n'ont souvent, même c'est le cas de la France, il n'y a pas forcément d'établissement stable dans le pays même. Donc, est-ce que certains veulent répondre à cette question-là ? Peut-être un peu technique. Sans rentrer dans les détails techniques, il y a beaucoup de propositions qui sont mises sur la table et qui sont, même dans certains cas de pays, extrêmement simples. Donc, qui ne sont pas parfaites dans le bilan pareil de progressivité, mais qui permettent quelque chose de très simple, c'est de taxer des activités qui ont un volume important dans le pays, mais qui se tiennent par des entreprises qui sont fiscalement et des fois même physiquement en dehors du pays. Donc, c'était déjà une incohérence qui était perçue par tous les organismes internationaux et tous les pays, parce que c'était le sujet du premier plan BEPS, même si c'était l'action 1 qui était restée sans solution et qui a donné lieu au deuxième plan BEPS. Mais dans le court terme, le problème n'est pas tellement la capacité d'avoir des propositions techniques. ATAF, par exemple, la plateforme africaine des administrations fiscales travaille dessus. En Amérique latine aussi, il y a différents modèles. C'est, je pense, le risque commercial pour certains pays de se retrouver confrontés à des pays comme les États-Unis qui ont mélangé les décisions unilatérales de certains pays sur les questions de taxation de certaines entreprises digitales à une guerre commerciale qui impose des sanctions qui ont obligé ou qui ont peut-être pas pour dire obligé qui sont tournées en sorte que la France ralentissent le programme de mise en place, mais pour des pays, enfin, si c'est un pays comme la France, imaginons les pays, surtout en Afrique, plus petits. Donc, en fait, en dehors des questions techniques qui existent, il y a énormément de modèles, énormément de possibilités
Et c'est extrêmement simple. Ce qu'il faut aussi pour rassurer certains pays, c'est d'essayer d'y avancer en collectif, montrer qu'il y a un groupe suffisamment puissant de pays qui se lance dans le sujet pour éviter ce risque de confrontation politique et commerciale. Merci, merci beaucoup. Bon, une dernière question, et on passe. Concernant la coordination des différents aspects de la politique budgétaire. Donc là, on tombe peut-être sur les questions soulevées, les propos soulevés abordés par M. Lacoste. Donc comment s'assurer d'une bonne coordination entre tous les instruments dont dispose un État pour rendre de façon optimale, enfin essayer d'atteindre de façon optimale, on va dire, ses objectifs de développement durable? Une vaste question, je sais. Vaste sujet, effectivement. Problème général de la coordination des politiques publiques. Je pense que ça avait l'air peut-être un peu technocratique, mais l'idée d'avoir des programmes et non pas des services administratifs, des programmes centrés sur des missions, ça permet quand même de rassembler autour de la table différents services administratifs qui concourent au même objectif. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut, avec, je dirais, des ressources qui sont limitées, faire des moins mauvais choix, éviter parfois des concurrences qui peuvent exister, qui sont une réalité entre administrations, et faire surtout convenir d'examens périodiques pour regarder un petit peu quelle est l'avancée de ces programmes. C'est vrai que beaucoup de ces, même les ministères du plan, qui sont souvent en Afrique, ont encore cette tâche justement de coordonner l'ensemble du développement. Eh bien, ils ont beaucoup de difficultés, par exemple, à rimer ce qui est l'aide publique au développement, qu'elle soit, je ne sais pas, européenne ou venant de la Banque mondiale, avec les ministères sectoriels en charge, par exemple, de l'irrigation, ou des infrastructures. Il manque cet endroit où finalement on peut faire un examen de la politique et choisir au cas par cas les meilleurs instruments. Et trop souvent, c'est ce que je disais, c'est vrai aussi encore un peu en Europe, la négociation budgétaire ne porte que sur les moyens et elle se passe, je dirais, en bilatéral entre le ministère des Finances, service du budget et le ministère dit dépensier. Qui doit, d'une manière ou d'une autre, trouver des économies sans jamais qu'on se pose la question sur la finalité, je dirais, de son action. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Merci Philippe. Effectivement, le dilemme entre le guardian et the spenders, entre le ministère dépensier et le gardien du trésor, c'est un dilemme important en finance publique. Dernière question plutôt de précision, on va dire, donc l'expression, quelqu'un demandait, bon, préciser l'expression de consolidation fiscale, consolidation budgétaire, j'imagine, sur les programmes du FMI, donc ça vise notamment à réduire les déficits, bon, Susanna pourra s'exprimer, et puis une autre question sur l'impôt minimum au niveau mondial qui aurait été abordée par Mick Keane. Bon, j'imagine aussi c'est les retenues à la source, c'est le changement éventuel de paradigme depuis un siècle que l'on est dans… puisque les questions de paradis fiscaux sont liées aussi au principe des traités de non-double imposition de l'OCDE, donc où le pouvoir résiduel de taxation appartient au pays où réside le capital investi et non pas au pays où le capital travaille. Et ce principe-là, apparemment, d'après Mick, serait en rediscussion. Je me trompe. Si je ne me trompe pas. Oh, Mick n'est plus là. Yeah, I can say thanks. Thanks, Greg. No, so on the minimum tax idea. So that is currently under discussion in the inclusive framework. The OECD has something called an inclusive framework, I think about 130 countries, which were discussing reforms to the international corporate tax system. Negotiations rather
became rather problematic with the pandemic. But one element of that is the idea of a minimum tax. The question I was touching on was, you know, if you have an investment from, let's say, the US to Mali, does the minimum tax get imposed by the US or does it get imposed by Mali? So that's been one of the central issues in the ongoing discussions. Of course, it's always up to a country can always impose a minimum tax if it wants. There are various ways you have to do it in order to be consistent with treaty obligations and so on. But countries do have the power to impose minimum taxes, including, and many do have minimum taxes, but they can, in many cases, be shaped more directly on tax avoidance activities. And the US has a rule of this kind, introduced in 2017. So there are kind of models out there of ways of imposing minimum taxes. I think the thought of the question for the OECD process has been to try to do this on a kind of cooperative basis. So at least the rules are relatively similar across different countries. And there has been some discussion on this issue I mentioned of, well, is it the capital exporter, the US in my example, or the importer, Mali in my example, that imposes the minimum. Discussions in the inclusive framework seem to be heading in the direction of the capital exporter imposing it, which may be cause for concern for some. But that's what the minimum tax proposal is about. But to make the point that there is all, you know, countries can do these kind of things unilaterally if they design it appropriately. And, you know, a lot of these current discussions in the OECD are really based on the US tax reform of 2017, which in many ways does embody some minimum tax elements. They could be strengthened in many ways, but there's certainly been some kind of momentum in that direction. So that would be my take on the minimum tax issue. Others, Susanna may have a different perspective, but that would be my summary of where things stand on that. Thanks, Greg. Non, en fait, je suis d'accord sur les principes. Pour nous, il y a beaucoup. Enfin, en fait, c'est une petite révolution. Et Mick le sait, on a travaillé énormément depuis le début. On a soutenu l'idée parce que c'est vraiment ça qui pourrait d'abord faire récupérer de l'équité dans le design du système fiscal international, faire récupérer des revenus, des recettes pour les pays, et ensuite pourrait éviter la concurrence fiscale déloyale entre les différents pays. Donc, ce seraient trois aspects qui sont fondamentaux, en plus de faire payer des entreprises maintenant comme les grandes, les high-tech, qui profitent de tous les trous et les insuffisances du système pour payer le moins possible, même dans le contexte actuel. Pour nous, ce qui est le problème, ce n'est pas l'idée, le concept est fantastique, c'est le détail. Ça, on a toujours le même problème très souvent quand on travaille avec l'OCDE, c'est le point de départ, les principes et le résultat final. Parce que dans ces négociations, ce qui risque, c'est on risque de se retrouver avec un taux minimum qui soit très bas, donc qui ne va pas décourager ces incitations fiscales et cette concurrence entre les différents pays. Et ensuite, c'est qui a le droit de taxer d'abord pour retenir ses recettes. Est-ce que ça va être les pays en développement, là où il y a l'activité, ou est-ce que ça va être le pays où l'activité, le capital et le headquarter se trouve. Donc pour nous, ce n'est pas dans le principe, c'est de voir ce qui va se passer. C'est pour ça aussi que notre proposition en ce moment, c'est de ne pas accélérer ce processus. Parce que si les pays, en plein moment de la réaction à la crise, sont complètement débordés par la discussion sur comment réorienter le budget, les politiques et tout, c'est très difficile de demander à un ministère de Finances de mettre aussi une équipe à une dimension politique, technique importante pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, ce qu'on demande, c'est de prolonger le processus, de prioriser les mesures unilatérales dans le court terme et d'avancer, quand les pays auront la capacité, les mesures, les énergies et les ressources techniques et politiques aussi, pour pouvoir défendre mieux leurs intérêts. Donc, c'est plus une question de timing et de détails que de principes dans la... Mais c'est ça qui va faire toute la différence aussi. Merci. Bon, la toute dernière question est un peu, bon, je vais la formuler de façon provocative. L'annulation de la dette, est-ce que vous ne craignez pas que c'est, bon, sous quelles conditions, est-ce que ça ne va pas annuler beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment des efforts budgétaires, aussi bien en qualité de la dépense qu'en effort fiscal en matière de collecte de l'impôt, ou est-ce que l'annulation de la dette et de l'utilisation de ce que l'on a appelé la monnaie hélicoptère est une solution à cette crise? Dernière question, voilà. Qui veut y revenir?
Je vais me lancer aussi. Oui, bien sûr, quand on va voir l'ampleur de cette dette pour beaucoup de pays, oui, pour les pays en développement, enfin pour les pays à plus faible revenu, oui, mais pas simplement pour les bailleurs internationaux, mais pour les bailleurs privés aussi. Donc, il faut vraiment que l'on parle des solutions qui touchent tous ces bailleurs. Et ensuite, d'une façon où l'on ne soit pas dans le même contexte tous les 10 ans. Donc, c'est pour ça que cette idée d'accompagner, de prioriser des mesures comme celle-là qui sera un soulagement considérable pour pouvoir réinvestir dans la réponse à la crise sont extrêmement nécessaires. C'est des pays en plus qui doivent faire appel à l'endettement davantage pour cette première réponse à la crise. Mais deuxièmement, il faut vraiment une volonté politique nationale, régionale et internationale pour que le moyen terme ne soit pas un retour vers les mêmes problèmes. Donc, on ne peut pas être dans ce contexte de façon circulaire. Donc, en fait, c'est pour ça que pour nous, ce qui ferait un changement de la volonté politique mais aussi des organismes internationaux, c'est de montrer qu'il y a un espace pour ces réformes fiscales, même si, a priori, politiquement, il y a un coût de négociation plus important. Merci, Suzanne. Oui, oui, Mahmoud. Right. Very good question. I think it's very much case-specific. For some countries, helicopter money could be helpful if it's a low environment of inflation there, and if there are the resources. I'm more worried about the average developing economy and emerging market economy that are really facing big challenges in the debt in the debt front. And I think, as I was trying to say at the very beginning, this is going to be very big story that will take us beyond 2030. And it's better to factor that in as fast as possible. I know the G20, IFIs, other initiatives were focusing on moratorium and some sort of a standstill. The challenge going forward is going to be, we were facing this kind of a threat of a fourth debt wave hitting us. Whatever happens with this crisis, it may have accelerated that wave. The standstill will need to be entertained now, but comes 21, 22, we'll be having all of these kind of major debt questions to be answered for. If we're going to be doing them as we did in the past with conditionality, with austerity measures and all of this, while we're facing recession, that may not be very helpful. I think our colleagues at the IMF are thinking big about these kind of big challenges and designing new policies for that going forward. What I plead here is basically, if we can really have some sort of smart links between these kind of measures and sustainability. What I like about the European proposal, for instance, the recovery and the concessional elements to going forward. What I like to see, what I'm seeing, 150 personnes en ligne. OECD country, like New Zealand, for instance, une espèce de boîte, trying to link the kind of monetary policy and credit policy to these kind of long-term measures and all of that. So I think here, we can be busy with the short-term as much as we can and as much as we should to deal with the response. But the recovery is requiring all of the smart thinking about a new innovative fiscal and economic and social policy, and linking that all to climate change and sustainability. Thank you. Thank you very much, Mahmoud. Anyone else on this debt relief issue? No? OK. Thank you very much. Merci beaucoup de votre participation. Le prochain webinar aura lieu le 26. Encore merci aux speakers, Susanna, Mick, Philippe, Mahmoud et Félix. Merci encore. C'était un plaisir. Merci. Merci de votre participation. Au revoir. Merci à vous. Un plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Thank you so much. Et au revoir.